Essaouira a vécu ce matin un moment historique. Je voudrais d'abord saluer le travail de tous les chercheurs et avec à leur tête le professeur Bouzougar de l'INSAP qui depuis des années explore, étudie, travaille sur les sites archéologiques d'Essaouira. Et ce matin, autour de lui, avec le professeur Hernandez de l'Université d'Aix-en-Provence, le professeur Kuntz de l'Université de Kansas, ils nous ont livré le fruit de leurs travaux. Et avec cette découverte de la parure du bijou le plus ancien de l'histoire de l'humanité, découvert à ce jour, 150 000 ans d'âge, à proximité des Essaouira dans la grotte de Bizmoun, nous sommes entrés dans une ère et dans un espace pour Essaouira qui va faire date, parce que on y a trouvé des traces d'une civilisation à l'époque, très très ancienne, à l'ère de l'Homo sapiens, un espace qui déjà privilégié ou a su donner des outils de communication entre les groupes humains de l'époque et qui explique pourquoi aujourd'hui nous identifions Essaouira à cette capacité qui est celle de cette région de privilégier le dialogue entre les humains à l'époque, ceux de l'époque, à privilégier la rencontre, à privilégier l'altérité, à privilégier la sociabilité. Et donc pour nous, aujourd'hui, nous trouvons encore plus de légitimité à travailler dans cette dynamique de l'altérité et de la rencontre et de la modernité de notre civilisation. Je voudrais dire aussi que la densité, l'exceptionnalité de ce que les chercheurs nous ont appris ce matin rend encore plus urgente, que je ne l'ai dit souvent, la mise en place à Essaouira d'un pôle universitaire qui va permettre, puisque ça a été dit par les chercheurs et les professeurs et les experts qui étaient là, qui viennent du monde entier, il y a un énorme gisement pour l'humanité dans la région d'Essaouira qui va nous en dire plus, qui va nous en dire mieux sur l'histoire la plus profonde, la plus ancienne de notre univers et des univers qui nous ont précédés. Et comme l'a dit le professeur Bouzougar, ce qui va venir demain, ce qui reste à faire dans le futur, il faudra donner la possibilité aux plus jeunes, aux générations montantes, de travailler sur ce gisement. Et pour le faire, il faut qu'Essaouira en ait la capacité scientifique, la capacité universitaire, la légitimité du savoir, pour que nous donnions encore plus de relief, encore plus de profondeur à la découverte exceptionnelle qui a été faite ce matin à Essaouira. Nous sommes dans la grotte de Bizmoun, dans la région d'Essaouira, et c'est le lieu où ont été trouvés les plus anciens objets de parure au monde, et qui sont datés maintenant entre 142 000 ans et 150 000 ans. Donc ce qui fait de ces objets de parure, comme j'ai dit, les plus anciens au monde. Et ces objets peuvent en fait indiquer plusieurs choses. Je les résume comme ça. Il y a le symbolisme, il y a la présence d'une langue et il y a les identités. Je dis bien les identités et pas une seule identité. Donc ces objets de parure, en fait, ils sont les ancêtres de ce que nous vivons maintenant, de ce que nous partageons maintenant entre tous les Marocains, toutes confessions confondues, et bien sûr toutes origines confondues.